Le fichier du logiciel, en fait de l'environnement de simulation entre .NET et les éléments complémentaires. Alors, je vais prendre la peine de vous fournir l'ensemble des éléments dans la description de la vidéo. Alors, on a récupéré cet élément, on l'a décompressé. Et par la suite, ce que nous allons faire maintenant, nous allons saisir cette commande très simple. Voilà. Nous y sommes. Dans notre fichier ns2.ns all-in-one 2.35. Alors,